Bonjour tout le monde, aujourd'hui ouverture de courrier. Alors j'ai reçu deux courriers, un que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai, de Dominique, et un de... je ne sais pas. Là, il n'y a rien dessus. Donc on va ouvrir d'abord le courrier de Dominique. J'ai un échange à faire avec Dominique, d'ailleurs je suis occupée sur les échanges là en ce moment. Allez. Oh, il y a plusieurs choses là dedans. Oh, j'ai fait tomber quelque chose. Alors attendez. J'ai fait tomber quelque chose. Des petites fleurs. Oh, elles sont mignonnes. Alors il y a plein de trucs dedans. Il y a plein de petites fleurs. Ah, oh, elles sont belles les fleurs. Waouh. Il y a des serviettes aussi. Il y a plein de choses en fait. Hein. Allez. Hop. On commence par la carte. Alors la petite carte, waouh, oh qu'elle est jolie. Ah c'est beau. Ah j'aime bien, je regarde parce que des fois, ah ben oui voilà, c'est ce que j'allais dire, des fois ça se trouve d'une façon. Alors voilà, ça se trouve comme ça, super. Alors je vous montre, attendez, je remets hein. Voilà, elle est géniale. Alors elle nous a fait une petite carte comme ceci. Regardez comment elle est jolie, elle est vraiment belle, elle est magnifique, tout printanier avec de la lavande. Moi j'adore la lavande hein. Il y a plein de fleurs. Alors je connais pas toutes les fleurs qu'il y a dessus, mais là il y a de la lavande, il y a un petit oiseau. Alors pour toi, et regardez, je vais essayer de pas faire voir son petit mot quand même, mais voilà. Ça s'ouvre et ça se ferme comme ceci. Je vais mettre ma main devant, voilà. Des fois, c'est personnel. Vous voyez, voilà. Je vais vous faire voir comme ça. Elle a fait une ouverture comme ça. Et je trouve ça génial. Donc, quand vous la fermez, et bien vous la fermez. Comme ça. Et je vais reprendre ton idée parce que je la trouve superbe. Alors, c'est Dométis. Dométis. Je passe sur des Dométis ou Dométis, tu me diras l'occasion. Ah! Ah, c'est super gentil, super gentil. Alors de chaque côté, elle a mis des petites, vous voyez, là elle a mis de la lavande. Là, c'est un petit papillon. Et ici, elle a remis un... J'aime bien son fond de papier. Il est très, très joli. Ben, je te remercie. Je te renvoie en même temps la même chose. Hein. Et bonne chance pour ta patouille. J'espère qu'on la verra. Tu n'as pas de chaîne. Ah, ça, c'est dommage. C'est vrai qu'elle n'a pas de chaîne. Ça, c'est malheureux. Alors, elle m'a mis plein de choses. Donc, elle m'a mis des serviettes. Ah, les oiseaux exotiques. Ah, c'est génial, ça. Sur les oiseaux exotiques. Et après, elle m'a mis une autre serviette. Waouh, j'aime bien ça. Le thème, comment je veux dire, les années, allez, on va dire les années 50, 60. J'aime bien le thème. Ah oui, c'est pas pareil. J'aime bien ce genre de serviette là. Et là, pour faire, je sais pas, quelque chose sur l'exotique. J'ai jamais essayé l'exotique. Enfin, j'ai vraiment que j'essaye. Hein. Donc, ça, c'est très sympa. J'ai oublié de vous montrer le joli tamponnage qu'elle a fait sur son enveloppe. Très, très joli tamponnage. La carte, j'adore. Hein. J'adore le système ouverture-fermeture. Franchement, c'est. Je trouve ça vraiment très, très original. Alors, on va essayer de la refermer. Hop! Comme ceci. Voilà. Alors, elle a mis des petites fleurs. Elles sont mignonnes, ces petites fleurs. Je prends jamais le temps d'en faire. J'aime bien celle-ci, là, la mauve, là. Ces mauves, là. J'aime bien la couleur. Elles sont très, très jolies. Elles sont vraiment très belles. Et en plus, je crois que je dois voir ça. Mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Et du coup, ben je suis contente. Parce que j'ai des petites fleurs. Alors, on a fait un échange, je pense que c'est ça. Alors, je suis dedans, hein, je suis dans les échanges. Ah, j'ai craqué le papier, désolé. J'ai
j'ai mes petites cartes là déjà pour les envoyer. Je vous les montrerai en fin de... J'ai fait un tuto là-dessus. Vous verrez prochainement sur ma chaîne. Là, on est dans le courrier de Domi. Voilà. Ah, il y a encore quelque chose dedans. Ah, mais c'est resté... Ah, je crois qu'en fait, c'est resté accroché dedans. C'est ça? Alors, attends. Hop. Alors, c'est une petite pensée. Luxe Lavande, le 6 mai 2022. C'est Dométis. C'est la 2 sur 3. Elle est jolie. Avec un fond... je sais pas si c'est un fond patouille en fait. Tout autour, elle m'a fait des petits traits avec des fausses coutures. Et là, c'est une superposition de die-cut. C'est très 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 beau. J'aime beaucoup. Une de plus pour ma collection. Je vous la montre. Hein. Voilà. Comme ça. Je suis toujours en décalé. Moi, je sais pas pourquoi. Je suis toujours en décalé avec mon... Alors... Ah, c'est un tuto. Ah oui. Alors, apparemment, c'est un tuto. Ah oui. Alors, le cœur de Gabi. La 1 sur 6. C'est joli, ça. Alors, je le prends dans quel sens? Par contre, je pense qu'on peut le prendre dans plusieurs sens. Mais ça doit être comme ça. Regardez. Elle est très, très jolie aussi, cette ATC. Ça, c'est un petit cœur, on dirait un peu de la... Oui, comme un genre de mousse. C'est pas, c'est du tissu plus que de la mousse, mais c'est très joli. Donc elle a fait son fond, elle a découpé son fond, elle a mis des petites perles, il y a un petit rond en dessous. Et c'est de, alors je vous lis ce qu'elle a marqué. Tuto de Kabi Hobby Eck, une copinette allemande que j'aime beaucoup. Je la connais pas, tiens. Washi. C'est washi, c'est ça. Et embossage à froid. Non, c'est pas ça qui est marqué. Si, c'est ça. Washi, embossage à froid. D'accord. Mais je vais garder ça. Je vais garder le nom de la personne. Pour voir si je peux aller la voir. Voilà. Et je vous remontre donc sa petite ATC. Elle est très jolie. J'aime beaucoup. Ouais. C'est très joli. En plus, c'est très doux. Et donc là, je ne sais pas ce que c'est. On va regarder. C'est bien collé. C'est bien collé. Ça va pas s'ouvrir. Hein. Ah, je ne peux pas récupérer. Alors, oh. Ah là là, c'est joli. Oh oui, j'adore. Oh, j'adore, j'adore. Et puis ton petit personnage là. Regardez, c'est une petite pochette. Mais alors, j'adore. Alors, elle m'a fait sur... donc, c'est du papier qu'elle a pris comme ça. Mais elle m'a fait plein d'embossages de lettres. Dométis. Vous voyez, elle a fait plein d'embossages de lettres. Elle a mis des petites fleurs comme ça à plat. J'adore son petit personnage. Je sais pas où tu l'as trouvé, mais je l'adore. Et dedans, on a hop, un marque-page. Alors, qu'est-ce qu'il est beau aussi, celui-là, des personnages. Regardez. Oh, c'est superbe. Oh, tu devrais me dire où tu les trouves, tes personnages. J'adore ce genre de choses, moi. Et cela, dans ce style-là, je n'ai pas. Alors, un livre est une fenêtre par laquelle on s'évade. C'est tout à fait ça. Alors, elle m'a mis une surpiqûre au stylo. Ah, mais j'aime bien. Même le fond de papier, là. Alors, le fond de papier, je voudrais que tu me dises. C'est un fond que tu as fait, parce que ça ne me dit rien, ce papier-là. Et j'adore les couleurs. Ah, elles sont superbes, les couleurs. Regardez comme c'est joli. Et bien, Domi, je te remercie du fond du cœur, parce que franchement, oh, j'adore. J'adore, j'adore. Je vais le laisser là. Voilà. Merci, Domi. Mille merci, parce que franchement, ouais, j'adore. On va prendre le courrier suivant, mystère. Le courrier mystère. Ça me rappelle une émission de radio, ça. Ou de télé, je sais plus.
Alors, qui est-ce qui m'envoie un courrier mystère? Il y a encore des choses dedans. Je n'ai pas d'adresse, je n'ai rien. Alors, je voudrais... Alors, attendez, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et est-ce la carte? On va regarder. Alors là, il y a une très jolie pochette. Avec des fonds de patrouille. Françoise. Françoise. Oh là là, ça m'aide pas beaucoup ça. J'en ai plusieurs des Françoises. Est-ce que c'est Fanfan? Parce que si c'est Fanfan, ça c'est bien son style. Hein. Mais je veux pas me tromper. Il est magnifique. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Alors, elle me marque qu'elle a beaucoup de retard, comme nous tous, hein. Pour une participation. Alors, elle parle des athéos. Françoise, tu me dis, je ne veux pas me tromper de Françoise. Je crois que c'est Fanfan. C'est bien son genre, hein, c'est bien son style. Hein. Donc, je ne pense pas me tromper. J'adore. C'est fond. Alors, elle a fait un fond de patouille avec des masques. Je sais pas comment expliquer ça, mais avec des masques et tout. Elle n'a pas de chaîne. Et ça, c'est dommage, hein, parce qu'elle fait des choses superbes. Et dessus, elle a donc décoré. Alors, elle a fait un oiseau qu'elle a tout refait en montage. Qu'elle a fait également, comment je veux dire, colorié, patiné. C'est un peu patiné, là. Elle a mis des petites étiquettes. Là, c'est pareil. C'est une fleur. Regardez. Je vous remontre parce que faut la regarder un peu. Est-ce que vous la voyez bien par contre? Alors moi j'ai dans quand je regarde mon comment je veux dire mon ordi, j'ai le reflet de ma fenêtre de l'autre côté, donc je vois pas bien. Mais quand je visionne après, parce que je visionne avant de mettre mes vidéos en ligne, en principe on voit bien. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc je pense que c'est Fanfan. Ce serait bien son genre, vu la patouille. J'adore, elle est belle, cette patouille. Alors, elle m'a mis des petits timbres. Je vous le fais voir de suite, hein, comme ceci. C'est vrai que moi, j'adore toutes ces choses-là. Merci, Fanfan. Je ne les ai pas, ceux-là. Regardez, c'est des petits timbres comme ça. Qu'on peut se resservir. Hein. Je vais une fois vous faire un tuto avec ces timbres-là. Alors, les athéos. Donc... voilà, c'est bien ça, c'est Fanfan. Alors, celle-ci, ovale, oui, chicken. Alors, toujours avec ses petits fonds de patouille, elle m'a fait des superbes pochettes. J'adore ces pochettes. Elles sont magnifiques. Ça aussi, hein, on pourrait reprendre ça sur un junk, peut-être. Un junk, c'est long à faire. Hein. Oh, j'adore. Je l'ai, cette petite poulette-là. Oh, il est beau, son fond. Elle a fait un fond, regardez, c'est avec de la pâte à structure. Je vous la montre un peu plus près. Je ne peux pas être trop près parce que sinon après ça fait flou. Et regardez, elle est magnifique. Vous voyez la pâte à structure là sur ici, le fond. Donc elle a fait sur un fond jaune, jaune, vert. Il y a plusieurs couleurs, c'est joli comme tout. Et elle a fait de la pâte à structure. Superbe avec une petite poulette, c'est une athéo. Voilà, ben, je suis contente parce que j'ai encore une athéo. Je suis super contente. Et ensuite, là, c'est encore une athéo. Oh là là, c'est joli aussi ça. Alors, je vous montre d'abord la pochette. Hein. Les pochettes sont magnifiques. Hein. Les patouilles des pochettes, c'est super, super joli. Voilà.
Elles sont de, elle fait des superbes patouilles, franchement. J'avais reconnu son style quand même. Hein. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Je sais pas comment t'as fait ton fond là, mais je veux bien être une souris pour venir voir comment tu fais. Ça fait un peu loin pour venir. Alors, c'est champignons et feuilles sèches. Mais le fond de patouille, il est magnifique. Regardez-moi ça. Il est beau, hein. Il est beau. Ah ouais. J'essaye de mettre au mieux à la caméra. Ah, j'adore. Et tes couleurs en plus. Le vert, là, j'aime bien le vert comme ça, là. Les petits champignons, les petites feuilles, magnifique. Magnifique. Je suis contente parce que il faut que je me fasse une boîte à Théo. Je me suis fait une boîte à marque-page, mais là, il faut que je me fasse une boîte à Théo parce que j'ai pas de boîte vraiment pour les ranger dedans. Alors, j'ai mis dans des pochettes. Et là, donc, elle m'a fait, donc, pareil, toujours, un fond de patouille. Alors, moi, j'aime bien, hein, je suis curieuse. Hein. Je sais pas comment tu as fait sur... Si le papier était déjà marqué comme ça avant. Mais regardez. Je pense que c'est toi qui as fait le fond. Je saurais pas dire. Mais c'est tellement bien fait. Tellement bien réalisé. Hop, pas trop près. Attendez, je me décale comme ça. J'ai ce reflet dans la fenêtre. Moi, j'ai l'impression de rien voir. Voilà. Comme ça. Numéro 7, Fairless. La petite étiquette aussi, là. Alors, je découvre. Mmh, oh, oui. Magnifique. Ah, regardez-moi ça. Ah, ouais, j'adore. Oh là là, la petite bonne femme en plus, là. Oh, j'adore, 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 j'adore. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Le 5 juin 2022. Effectivement. Effectivement, Françoise, les petits papillons sont juste trop beaux. Alors, la petite bonne femme, j'adore. On dirait presque du métal. C'est du métal? Alors, son fond de batouille, donc dans les tons rouille orangé, ici c'est dans les tons plutôt bleus, avec du marron, les petites écritures en arrière-plan, j'adore, j'adore, et la petite dame africaine, on dirait qu'elle est en métal. C'est trop beau, je suis trop près. Attendez, je me décale un peu comme ça. Regarde-moi ce travail. C'est magnifique, hein. François, c'est une pro. Hein. Alors, c'est François, c'est Fanfan. Pour ceux qui la connaissent, c'est Françoise Corbel. Je pense qu'elle ne dira rien que j'ai dit son nom. Hein. Mais il est magnifique. Il est magnifique. Eh bien, Fanfan, écoute, je te remercie du fond du cœur. J'espère que tu vas bien. Parce que Fanfan a eu des problèmes dans le passé. Là, elle a dû s'opérer du cœur. Donc, j'espère qu'elle va bien. Tu vois, j'oublie pas. Hein. J'aime bien aussi ces petites franfreluches là, comme ça, là, teintées. Vous voyez? Elles sont teintées. Je ne l'ai pas fait voir. Je suis laine. Est-ce qu'on le voit mieux sur le blanc? Voilà, ça se voit mieux. Regardez comme c'est joli. Avec un petit rien, on fait plein de choses. Donc, ça, c'est Françoise. Je te remercie du fond du cœur, Françoise. Je ne me souvenais même pas, moi, de ça. Les athéos, oui, c'est vrai, j'ai fait une série d'athéos, mais je ne me souvenais même pas. Comme quoi, vous voyez, hein. Oh, pardon, on a le temps, hein. Avec les pochettes et tout, on a le temps. On n'est pas pressé par le temps. Moi, je dis toujours, on n'est pas pressé par le temps. Hein. Le temps nous rattrape bien assez vite comme ça. Les petits timbres. Alors, ici, notre Domi. Domi. Regardez, c'est quand même du joli courrier, quoi. C'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Très joli courrier des filles. Regardez-moi ça, avec une petite serviette. Voilà, je vous fais voir le courrier de mes copinettes, hein, de nos copinettes, puisque je sais que de toute façon, beaucoup les connaissent. Hein, et moi, j'admire leur travail. Hein. Voilà, c'est super. Alors, ces deux copinettes-là, en plus, n'ont pas de chaîne. Imaginez un peu si elles avaient une chaîne, je crois qu'elles feraient exploser l'audimat. C'est superbe.
je suis super contente. Voilà. Alors, ne zappez pas. À la fin, je vous fais voir. Ah non, attendez. Je ne peux pas vous le faire voir maintenant. Non, je ne vous fais voir rien du tout, en fait. On va rester sur cette note-là. Moi, je suis enchantée de mon courrier. Je vous remercie les filles du fond du cœur. Je vous fais de gros bisous. Domi, je suis en train avec mon courrier. Françoise, je te ferai un courrier aussi en fait. Hein. Et puis voilà, bah, laissez-moi le temps. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous fais des gros bisous. Un petit pouce les copinettes si vous avez aimé. Un petit commentaire aussi pour les filles, ça leur fera toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça aussi, ça me fera plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.